Bonjour mes enfants, c'est moi Madame Julie et bienvenue à une autre classe virtuelle de français. Alors, comme chaque semaine, je vais vous envoyer une vidéo explicative qu'on va travailler pendant la semaine, d'accord? Et alors, on va commencer. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les matières des objets, d'accord? Ça veut dire le matériel des objets, d'accord? Alors, on commence par le matériel en bois, en plastique, en carton, en métal. Les formes. Il y a aussi les formes des objets et nous allons travailler avec un rond, une forme rectangulaire, carré, en forme de cœur, d'accord? Ce sont les quatre formes qu'on va travailler pendant cette semaine, d'accord? Alors, quelques exemples. Pour dire le matériel ou la forme des objets, nous avons ici quatre exemples, d'accord? Des objets de la vie quotidienne. La lettre A, nous avons ici une boîte. Le matériel, c'est un carton et la forme, c'est rectangulaire. B, nous avons ici un jeu d'échecs. Le matériel, c'est un bois et la forme, c'est carré. Lettre C, nous avons ici un objet qui est de la vie quotidienne et qu'on peut observer dans la salle de classe. Nous avons ici un globe d'Érac. La forme, c'est ronde. Et le matériel, c'est en plastique. Et finalement, lettre D, nous avons ici un cœur. Oui, la forme, c'est un cœur. Et le matériel, c'est un métal. Alors, les enfants, ce sont quelques exemples pour décrire un peu sur le matériel et la forme. Alors les enfants, merci beaucoup pour votre attention et pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Alors, à la prochaine!